va lire deux courts passages des Écritures qui vont servir de base à la méditation de ce matin. Le premier, c'est dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7, et on va lire les versets 19 et 20. 2 Chroniques 7, versets 19 et 20. Il est écrit, « Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi toutes les nations. » Deuxième verset dans Colossiens. Tournez avec moi dans Colossiens 2. Je vais essayer d'aller lentement. Souvent, j'ai quelqu'un qui me donne le tempo, mais là, j'en ai pas ce matin. Colossiens 2, versets 6 et 7. On peut y lire ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Prions quelques instants, Père éternel, merci pour ce temps béni que nous avons ce matin, Seigneur, pour entendre ta parole, et Seigneur, également pour être enseigné et dirigé dans tes voies. Seigneur, avec tout ce qui se passe dans ce monde, on a besoin d'être solidement ancré en toi, d'être encore plus attentif à ta parole. Seigneur, qu'on puisse la serrer contre notre cœur, ta parole, afin d'agir selon toute ta volonté et aussi, Seigneur Dieu, afin de te plaire. Prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole, à recevoir tes enseignements et assurément, Seigneur, à ne pas les négliger, à ne pas ignorer ce que ton Saint-Esprit veut nous communiquer. On te le demande au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Vous savez, une chose, le Seigneur, ce qui est intéressant souvent, c'est qu'il confirme sa parole au travers de ce qu'on a entendu ce matin. Et le titre de l'exhortation, c'est « Demeurons fermement attachés au Seigneur et aussi à sa parole ». C'est l'exhortation que j'ai pour vous ce matin. Avec peut-être ce qui s'en vient, c'est important de demeurer fermement attaché. Et malgré tout ce qu'on peut voir, j'avais ce matin une image dans mon esprit. Lorsqu'on se promène sur la route, souvent on va voir des fleurs sur le bord de la route avec une espèce de petite croix pour dire qu'il est arrivé quelque chose à un endroit bien précis. Souvent, ça nous interpelle dans le sens que qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est un genre d'avertissement, souvent pour dire aux gens, il y a peut-être quelqu'un qui a roulé trop rapidement, il a dérapé, il a pris le fossé. Donc, c'est important qu'au travers de la parole, au travers de ce qui s'est produit, ce qui est arrivé à d'autres personnes, on puisse également prendre en note ces avertissements qui nous sont donnés. Et le premier verset qu'on a lu, ensemble dans 2 Chroniques, se réfère à un avertissement qui est très sévère, où Dieu met en garde Salomon et son peuple, premièrement de l'abandonner lui-même en tant que seul vrai Dieu, et d'abandonner ses paroles au travers des lois, des commandements qu'il avait donnés, demander à Israël d'obéir et de se conformer. Et ce qui peut retenir facilement notre attention, ce sont la gravité des conséquences. Il y a toujours des conséquences lorsqu'on n'est pas attentif et on ne suit pas la parole de Dieu. Et le Seigneur leur dit, « Je vous arracherai mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. » Et le Seigneur était assurément loin d'être tendre envers son peuple, envers Israël. Et il n'hésiterait pas à les corriger afin de les ramener dans la bonne voie, dans la bonne direction, de les ramener à lui. Et on peut lire, frères et sœurs, dans Hébreux 12. Regardons dans Hébreux 12,
versets 6 et 7, comment le Seigneur s'y prend. La méthode qu'il utilise pour faire comprendre à son peuple son péché et les ramener sur le bon et droit chemin. Hébreux 12, versets 6 et 7 nous dit, « Car le Seigneur châtie celui qui aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? » Et c'est intéressant ici de constater à quel point Dieu aime son peuple et ce qu'il est prêt à faire pour le ramener sur le droit chemin. Aujourd'hui, c'est complètement le contraire qui se produit. On aime mieux dire des bonnes choses plutôt que de dire la vérité et faire en sorte que la personne puisse se détourner de ses mauvaises voies. Il les reconnaît pour être de ses enfants et c'est par amour pour eux qu'il devra les corriger. Notre frère Denis nous a parlé de cet amour que Dieu nous a témoigné. Et on va y revenir tantôt, dans cet amour que Dieu nous a témoigné. Et l'Éternel était conséquent ou conforme avec les paroles qu'il avait déjà dites à David concernant son fils Salomon, des paroles qu'il avait reçues du prophète Nathan. On peut lire, par exemple, dans 2 Samuel 7, 14. 2 Samuel 7, verset 14. « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Quelle tendresse, quel amour que le Seigneur nous témoigne. « S'il fait le mal, je le châtirai. Hein? Je le punirai. » C'est comme aujourd'hui, le mot « punir », c'est quelque chose qui va disparaître du dictionnaire bientôt. Hein? C'est quelque chose qu'on ne devrait plus utiliser. Et cette manière d'agir du Seigneur envers le peuple d'Israël et les individus qui en font partie devraient toujours nous garder, je crois, dans une crainte respectueuse quand nous sommes ces enfants d'adoption. Hein? C'est ce que la parole nous dit dans Éphésiens 1, versets 5 et 6. Éphésiens 1, versets 5 et 6, il est dit, « Nous ayant prédestinés dans quoi? Dans son amour. » Hein? Cette prédestination est dans l'amour qu'il nous a témoigné, frères et sœurs, hein? À être ses enfants d'adoption, comment? Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée, comment? En son bien-aimé. C'est toujours en Jésus-Christ, frères et sœurs. Ce n'est pas de nos propres forces et on voit bien qu'on n'a aucun mérite en nous-mêmes qui nous permet de nous glorifier, frères et sœurs, de quoi que ce soit. Tout vient du plan parfait et selon la grâce que Dieu nous a faite dans le bien-aimé en Jésus-Christ lui-même. Et j'avais ce verset en tête la dernière fois, c'était dans 1 Jean. Regardons 1 Jean. Un peu en relation avec ce qu'on a entendu ce matin, 1 Jean 4, le verset 16. C'est un verset qu'on ne devrait pas oublier. C'est un verset tellement beau. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. N'est-ce pas, frères et sœurs? Hein? On a connu cet amour que le Seigneur nous a témoigné. Lorsqu'on a reconnu ce qu'il était venu accomplir en grâce pour chacun d'entre nous. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, c'est tellement important de demeurer fermement attaché au Seigneur et également à sa parole. Ainsi, lorsqu'on voit le Seigneur avertir le peuple d'Israël de ce qui l'attend si jamais il veut l'abandonner, lui et ses commandements, nous devrions tous et toutes faire attention. Un peu comme on l'a dit tantôt, c'est comme un avertissement, une pancarte sur le bord de la route qui nous dit de faire attention. Et on en voit une des raisons fondamentales dans Romains 11, les versets 20 à 22. Romains 11, les versets 20 à 22,
qui nous dit « Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. » Qui ça, elle, en parlant des branches, en parlant des Juifs, hein? Et toi, tu subsistes comment? Par la foi? Seulement par la foi? Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Quel avertissement! Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, si tu demeures, demeurons, frères et sœurs, fermement attachés au Seigneur et à sa grâce et à la bonté qu'il nous a témoignée. Un passage comme celui-là, frères et sœurs, devrait nous faire réfléchir et surtout, assurément, nous faire trembler. S'il y a une chose importante à retenir sur ce que son auteur veut nous communiquer, c'est tantôt de ne pas s'abandonner à l'orgueil, mais de craindre. Hein? On ne devrait pas s'abandonner à l'orgueil, se péter les bretelles, on devrait craindre. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Hébreux 12, verset 28-29, nous dit justement que nous devrions demeurer humbles. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, cet héritage qui nous attend là-haut, montrons notre reconnaissance. Soyons reconnaissants, c'est par grâce, frères et sœurs, que nous sommes sauvés, que nous avons été lavés de nos péchés, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, comment? Avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Deuxièmement, il ne faut pas, surtout pas, frères et sœurs, se penser plus sage ou meilleur que les Israélites qui ont été de leur côté incrédules. Et comme on l'a dit tantôt, le seul fil, tu sais, des fois, ils ont un bouton là, à notre chemise, et il nous reste un seul fil avant que le bouton lâche. Mais le seul fil, frères et sœurs, qui nous unit, c'est la foi. Hein? Souvenons-nous, frères et sœurs, que certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Et il y en a d'autres qui vont faire naufrage également, selon ce que nous dit 1 Timothée 4. Tournons ensemble, 1 Timothée 4, au verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, ce seul fil qui nous retient, ils vont l'abandonner. Ce fil va être coupé, frères et sœurs. Troisième chose que l'on doit retenir de ce verset, l'importance de rester solidement attaché à cette grâce qui nous a été faite. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 15, les versets 1er et 2e, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. » Est-ce que l'évangile, frères et sœurs, nous a été annoncé? « Que vous avez reçu. » Nous l'avons reçu, cet évangile, dans lequel vous avez persévéré. Est-ce que nous continuons, frères et sœurs, à persévérer jusqu'au retour de Christ? Et par lequel vous êtes sauvés? Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Frères et sœurs, le message de ce matin, demeurons fermement attachés au Seigneur et à sa parole. Maintenant, la seule façon que le peuple d'Israël pouvait éviter toutes ces grandes conséquences auxquelles le Seigneur l'invitait, c'était de l'écouter attentivement et de prendre en note tous ces avertissements que le Seigneur, et prendre note sérieusement
de toutes ces conséquences que le Seigneur leur donnait. Et malheureusement, frères et sœurs, on sait que le propre de l'homme, c'est de vouloir en faire à sa tête, d'agir comment bon il lui semble. Et on a cet exemple-là, frères et sœurs, dans la tour de Babel. Hein? La tour de Babel, c'est peut-être l'exemple le plus facile qui nous montre que dès le commencement, les hommes se sont, de la façon dont les hommes se sont comportés face au plan que le Seigneur l'Éternel avait pour les hommes, ce plan qui est écrit dans Genèse 9, le verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. On voit ensuite déjà dans Genèse 11, le verset 4, ce que les hommes, eux, de leur côté, avaient projeté de faire, il est écrit. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Tantôt, on nous dit de faire attention à l'orgueil. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Hein? En contradiction totale avec le plan que le Seigneur avait pour l'humanité. Et ce n'est pas d'hier, frères et sœurs, que cette rébellion existe envers le Seigneur. Et on sait qu'elle s'est propagée, cette rébellion-là, surtout dans la période des juges, où les lois n'ont peut-être pas été appliquées comme elles auraient dû, ou avec l'influence des personnes qui étaient déjà, le Seigneur leur avait demandé de les tuer, ces personnes, de les éliminer, mais malheureusement, ils les ont laissés là et ils ont eu une influence sur toutes ces personnes. Et on voit que dans Juges, il nous est dit justement que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Hein? Ça se poursuit encore aujourd'hui. Pour ceux et celles qui sont devenus parents, j'avais cette image-là d'un enfant de 2 ans. On sait que l'enfant de 2 ans passe par un genre de phase de révolte. Hein? On appelle ça souvent la phase du non. En anglais, il y avait un terme, je suis tombé là-dessus, ça s'appelle comment? Le terrible two. Hein? Je ne connaissais pas vraiment ça, mais c'est plus représentatif, hein? Le terrible two. On sait que plus tard, cette phase change, hein, se manifeste autrement à l'âge de l'adolescence. On devient encore plus rebelle. On refuse d'obéir à nos parents. Moi, j'ai passé par cette phase-là. Il y en a peut-être qui ne le passent pas, mais il y en a beaucoup de personnes, d'adolescents, qui vont passer au travers de cette phase-là. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur, peu importe l'âge auquel on est rendu, continue de nous avertir, de ne pas faire la sourde oreille au travers de ce qu'il nous dit dans sa parole. Et c'est la raison qu'il nous dit, entre autres, on a un bon exemple dans Hébreux 12, 25. Hébreux 12, le verset 25. Le Seigneur nous avertit encore. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Est-ce que le Seigneur nous parle, continue à chaque jour de nous parler au travers de sa parole? Il donne le résultat de tout cela, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous? Hein? La raison de demeurer attentif à ce que le Seigneur nous dit, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, encore une fois, frères et sœurs, on peut choisir volontairement de faire fi, d'ignorer, de ne pas tenir compte de ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, mais soyons sûrs d'une chose, frères et sœurs, c'est qu'il va y avoir des conséquences. Hein? Il va en avoir une, il peut en avoir plusieurs, mais il va y avoir des conséquences. Et l'apôtre Paul savait toute l'importance accordée à chacune des paroles que l'on retrouve dans les Écritures, et il ne voulait assurément pas porter le blâme lorsqu'il prêchait l'Évangile. Hein? Il nous est dit dans Acte 20 de la façon dont il s'y prenait, Acte 20, versets 26 et 27. Il voulait avoir une conscience pure, une conscience tranquille d'avoir apporté tout le conseil, toutes les paroles du Seigneur pour eux. C'est pourquoi je vous déclare
aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Hein? La parole, frères et sœurs, dans son entièreté, sans rien cacher. On sait que les hommes aiment plutôt entendre ce qu'ils font leur affaire, ce qu'ils font leur affaire. Mais Paul n'a pas caché rien de ce qu'il devait entendre au travers de la parole. Et ça nous démontre, frères et sœurs, plusieurs choses. Assurément que Paul voulait plaire à Dieu. Hein? Il voulait plaire à Dieu. Et si on refuse de dire des choses qui sont écrites dans la parole pour plaire à notre auditoire, on ne plaît pas à Dieu. Et Paul voulait plaire à Dieu, c'est ce qu'il nous est dit dans Galates 1, entre autres. Galates 1, verset 10. Il est écrit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas. Hein? Il ne serait même pas serviteur de Christ. » Il n'avait pas peur, Paul, de dire la vérité, même si parfois ça provoquait des remous. Hein? Ça faisait de ceux qui l'écoutaient ses ennemis. Hein? « Est-ce que je suis rendu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? » C'est ce qu'il disait. Il n'a pas craint les hommes pour prêcher l'Évangile, mais il avait plutôt quoi? La crainte de ne pas le faire. Hein? Il avait cette crainte du Seigneur de ne pas l'avoir fait, et on peut lire ça dans 1 Corinthiens 9, au verset 16. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et lorsqu'on lit ces paroles, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle », on devrait toujours, frères et sœurs, faire très attention aux paroles de celui qui parle. Et le Père n'a pas hésité à dire justement à ceux qui les écoutaient, « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Hein? Écoutez ce qu'il y a à vous dire. » Et cela me fait penser à ce qu'on retrouve, frères et sœurs, regardons dans Proverbe 8. Proverbe 8, les versets 32 à 33, c'est Salomon qui parlait justement à ses fils. Nous sommes les fils de Dieu. Et maintenant, mes fils, il nous dit, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Mais qu'est-ce qu'il ajoute? Ne la rejetez pas. Ne la rejetez pas derrière votre dos. Heureux l'homme qui m'écoute. Ces paroles de sagesse de Salomon nous donnent les principales raisons pour lesquelles, frères et sœurs, nous devrions écouter ce que dit dans sa parole, de ne pas l'ignorer, de ne pas la rejeter. La première des raisons, c'est pour être heureux. Voulez-vous être heureux? Hein? Deutéronome 4, le verset 40, nous dit, « Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Et « observe » veut dire de ne pas seulement les écouter, mais également, comme on l'a entendu ce matin, de les mettre en pratique, ce que le Seigneur nous donne dans sa parole. Les gens aujourd'hui cherchent tous les moyens, frères et sœurs, pour être heureux, pour vivre plus longtemps. Mais ils refusent une chose, c'est d'ouvrir la parole de Dieu, de mettre le nez dedans pour savoir ce qu'elle dit. Le Seigneur leur donne pourtant gratuitement le moyen, la façon de parvenir au bonheur, au vrai bonheur, au travers de la communion qu'on a avec notre Dieu et aussi en acceptant ce que Christ a accompli pour chacun d'entre nous à la croix. Le Proverbe 8, 35, juste un petit peu plus loin, nous dit, « Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Hein? » Celui qui trouve le Seigneur a trouvé la vie. Et la raison pour laquelle c'est important de lire ce que la parole nous dit.
Deuxième bénédiction qu'on a au travers des Écritures pour devenir sage. Hein? La parole nous offre, frères et sœurs, ses plus beaux trésors lorsqu'on la médite, lorsqu'on passe du temps dans sa parole. Et le psalmiste dit une chose intéressante, vous n'avez pas besoin de tourner là. Le psaume 119, verset 97-98, il nous dit ce que la parole lui apporte personnellement. Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Hein? C'est intéressant de toujours avoir la parole avec nous. Et frères et sœurs, est-ce qu'on peut en dire autant de notre côté? Des fois, il faut se poser des questions dans notre propre vie. Est-ce qu'on met ces choses-là en pratique? Combien de temps est-ce qu'on passe à lire notre parole et la méditer? Avons-nous ce discernement que nous donnent les Écritures? Et utilisons-nous la parole pour gérer ou pour diriger nos vies? Hein? C'est important de l'utiliser, d'utiliser la parole, ce que le Seigneur nous a donné. Malheureusement, la majorité des gens se croient sages en eux-mêmes et c'est la raison pour laquelle ils vont refuser, vont mettre de côté, vont se passer de l'instruction que la parole de Dieu leur donne au travers des Écritures. Mais ils préfèrent plutôt qu'un homme règne sur eux. Hein? Ils ne veulent pas être dirigés par le Seigneur au travers de sa parole, mais ils préfèrent qu'un homme règne sur eux. Et on voit ça dans 1 Samuel, on va tourner ensemble, comment se sont comportés le peuple d'Israël, lorsque le prophète Samuel était rendu trop vieux et que ses fils n'étaient pas en état, à cause de leurs conditions impies, de prendre la relève. Et on sait à quel point le prophète Samuel a été piqué au vif hein, lorsqu'ils ont demandé un roi. 1 Samuel 8, les versets 6 à 9, il est écrit « Samuel vit avec déplaisir ». Et certainement avec une grande irritation, qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi. » Ça n'a pas changé. Hein? « Depuis que je les fais monter d'Égypte, jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. » En d'autres termes, ils ont été infidèles. « Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. » Une chose est certaine, frères et sœurs, et ça nous amène à ce deuxième point, c'est qu'il y aura toujours, comme on l'a dit, des conséquences à refuser d'écouter ou d'obéir à ce que le Seigneur nous donne dans sa parole. C'était déjà le cas dans le temps du prophète Samuel. Et ceux qui croyaient, ou ceux et celles qui croyaient qu'enfin ça irait mieux, hein, lorsque Dieu n'agirait plus sur le pays, n'aurait plus d'influence, ne voudrait plus les diriger dans les voies, on pensait que ça irait mieux. Et l'Éternel leur fait connaître ce qui les attend. Et on peut lire ça dans les versets 11 à 17. Mais on ne le lira pas au complet parce que ça prendrait quand même un certain temps. Mais souvent, on peut se demander si nos gouvernements sont à notre service ou si nous sommes au service de nos gouvernements. C'est ce qu'il nous est dit ici. Il prendra vos fils. Il prendra vos filles. Il prendra la meilleure partie de vos champs. Il prendra la dîme. Il prendra vos serviteurs et vos servantes. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même, vous serez ses esclaves. Est-ce que la situation, frères et sœurs, s'était améliorée? Hein? Si Dieu ne règnerait plus sur eux? Mais c'est seulement lorsqu'ils vont réaliser ces choses, lorsqu'ils vont réaliser les conséquences, hein, que les choses ne sont pas meilleures, mais souvent ça arrive plus tard. On réalise ces choses-là. Et on peut lire au verset 18. « Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, ou que vous
que vous serez élu. Hein? C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On élit les personnes, on élit nos dirigeants. C'est exactement la même situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les gens pensent qu'en enlevant Dieu du portrait, en enlevant Dieu de nos institutions publiques, en enlevant Dieu de nos écoles, en enlevant Dieu de nos familles, en enlevant Dieu de nos vies, que tous les problèmes vont se régler et que la paix va revenir sur la terre. C'est ce que les gens pensent. Hein? Pour les Israélites, on aurait pu s'attendre qu'après avoir entendu toutes ces choses défavorables, hein, que le peuple aurait peut-être changé d'idée, que le peuple aurait peut-être changé d'avis, ou du moins attendre avant de répondre quoi que ce soit. Mais on voit la réponse au verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. C'est comme si les conséquences, frères et sœurs, n'existaient assurément pas. Et en plus de ça, l'Éternel avait décidé de ne plus les exaucer lorsqu'ils seraient dans la détresse. Le psaume 81:12, frères et sœurs, nous dit quelque chose d'intéressant. C'est un peu la réaction de l'Éternel lorsqu'il voit tout ça. Comme quelqu'un qui, le visage lui tombe. Hein? L'Éternel dit, assurément avec beaucoup de tristesse, « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. » C'est comme un jeune enfant. On n'en vient pas des fois, nos enfants, de la façon dont ils peuvent agir, parce qu'on les a déjà avertis dans le passé de ne pas faire certaines choses. Mais c'est un peu de la même façon. Mais frères et sœurs, ce qu'il faut faire très attention, c'est de ne pas prendre à la légère ce qui s'est passé pour Israël. Il ne faut pas croire que seulement le peuple d'Israël a été désobéissant dans le passé et désobéissant dans le futur. Ça peut également nous arriver à chacun d'entre nous, que ce soit personnellement, que ce soit collectivement en tant qu'assemblée, à chaque fois qu'on a agi en connaissance de cause, contre la volonté ou contre ce qui est écrit dans la parole. Peut-être parce que, une des raisons, on se pensait plus sage que ce que Dieu a mis dans sa parole. De leur côté, le peuple d'Israël a rejeté son Dieu, et ce n'est pas juste une fois, c'était à répétition. On va voir rapidement un deuxième exemple dans Jérémie. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, le verset, en commençant au verset 11. Il est question qui change chez Dieu, quoiqu'il ne soit pas des dieux. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'était d'aucun secours. Absolument rien. Et on sait très bien que le Seigneur l'Éternel était la gloire d'Israël. Cieux, soyez étonnés de cela. Hey, on est tellement ébahis de voir que ça peut se produire. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. On sait que le peuple d'Israël était pris dans ce qu'on appelle l'idolâtrie durant plusieurs années. Et également, la religion qu'ils suivent présentement n'apportera pas la vie. C'est comme une citerne qui est crevassée. Ce n'est pas une religion qui donne la vie, malheureusement. C'est dans notre relation, c'est en Christ que nous avons ces choses-là. Et sont le Seigneur constate que le peuple l'avait oublié, hein? L'avait totalement oublié. Et au travers de ce qu'on a fait ce matin, frères et sœurs, nous nous sommes rappelés ce que Christ a accompli pour chacun de nous. Et l'apôtre Paul lui-même rappelle aux Corinthiens et à nous tous par la même occasion qui y avons cru. 1 Corinthiens 7, 23. 1 Corinthiens 7, 23, ce que Christ, ce à quoi nous devons persévérer de croire.
Il leur dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Est-ce le cas? Ne devenez pas esclaves, les hommes. Les Corinthiens devaient, frères et sœurs, à partir de leur conversion, de suivre Christ, de lui obéir et de le servir lui seul, parce que Christ avait donné sa vie pour eux. Et nous aussi, frères et sœurs, nous devons demeurer fermement attachés à Christ. La raison pour laquelle nous sommes esclaves de Christ maintenant. 1 Corinthiens 7, 22, c'est ce que ça nous dit. Nous sommes maintenant esclaves de Christ. Et trop souvent, frères et sœurs, nous pouvons nous aussi être esclaves des choses de ce monde. Continuer en parallèle de notre foi en Christ et continuer de vouloir s'amasser des trésors terrestres ou mondains, hein, au lieu de nous préoccuper des choses d'en haut. C'est un danger, frères et sœurs, qui nous guette, qui nous guettera toujours jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Et un grand danger, c'est de porter plus d'attention aux choses du monde qu'en fonction des promesses que le Seigneur nous a faites. En attendant, l'apôtre Jean nous avertit, allons voir ça, 1 Jean 2,15, nous avertit, lui, avec amour. Il nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il faut comprendre ici, frères et sœurs, que ce qui se trouve dans le monde présentement n'est pas compatible avec ce que le Seigneur a pour nous. Dieu ne veut pas, entre autres, que nous soyons menés par la chair. On trouve ça dans Romains 13, le verset 14, qui nous dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Prenez exemple, frères et sœurs, sur Christ, ce qu'il a fait, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Ce sont tous les dangers qui nous viennent, frères et sœurs, dans ce monde. Deuxième chose, ne soyons pas gouvernés par nos mauvais désirs. Et on en a tous, des mauvais désirs. Colossiens 3, 5 nous dit, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir, frères et sœurs, ce qui est charnel encore en nous. Les Corinthiens étaient charnels. Faites donc mourir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Troisième chose que nous ne soyons pas dirigés, frères et sœurs, par nos ambitions. Notre orgueil et la gloire éphémère que ces choses vont nous apporter. On peut se glorifier encore une fois de toutes ces choses que nous faisons présentement sur la terre. Philippiens 2, 3 nous dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » C'était la leçon que Christ voulait leur donner à ses disciples lorsqu'il leur a lavé les pieds. L'humilité, c'est une chose assurément très importante afin que nous ne développions pas l'orgueil en nous. Il y a toujours un grand danger qui nous guette également à travailler pour les choses du monde. Et le Seigneur l'avait rappelé à ses disciples lui-même lorsqu'il était ressuscité, lorsqu'il a passé 40 jours avec ses disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle était sa priorité? La parole nous dit dans Actes 1, 3 qu'il parlait des choses qui concernaient le royaume de Dieu. C'était sa priorité lorsqu'il est revenu. Il leur avait dit également à ses disciples dans Jean 4, les versets 32 à 34, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et les disciples étaient complètement éveillés, ne comprenaient pas, assurément pas, ce que le Seigneur voulait leur communiquer. Il leur a dit plus loin, « Mais ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. »
Est-ce que nous désirons, nous aussi, accomplir l'œuvre du Seigneur présentement? Ou plutôt, passer notre temps à faire autre chose? Nous savons tous, selon ce que nous dit 2 Corinthiens 5, 20, que nous sommes, frères et sœurs, ambassadeurs. Ambassadeur. C'est comme si l'ambassadeur est payé comme un ambassadeur, mais il ne fait pas son rôle d'ambassadeur. C'est important, frères et sœurs, de se rappeler de ces choses. Et troisième chose qu'on voit dans ce verset, lorsque Christ dit « Ma nourriture est de faire la volonté du Père », ce qui satisfaisait Jésus, c'est d'accomplir les choses d'en haut en priorité. Alors, en conclusion, frères et sœurs, on doit toujours continuer d'être fermement attachés au Seigneur et à sa parole, car les jours qui s'en viennent vont être difficiles. Et les épreuves qu'on va rencontrer pourraient nous éloigner, nous rapprocher, oui, mais nous éloigner. On a ce bel exemple-là dans le roi Ézéchias, lorsqu'il a été éprouvé par la maladie et que le Seigneur l'avait guéri. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il est tombé. Il est tombé. Souvent, on peut... Et on sait que la vie du roi Ézéchias avait été parfaite jusque-là. Ça dépend. Qu'est-ce que les épreuves vont nous amener à faire? On doit... Portez nos regards sur ceux et celles, frères et sœurs, qui sont demeurés fidèles jusqu'au bout, au travers même des épreuves qu'ils ont vécues pour le nom de Christ. Qui a été fidèle? Il y en a qui ont été fidèles. On peut dire que l'apôtre Paul nous dit, car il a terminé la course et il a gardé la foi. Est-ce que ça sera la même chose pour nous? Demeurons attachés, fermement, au Seigneur et à sa parole. Et en terminant, veillons sur nos pensées, afin qu'elles soient prioritairement sur les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre.